C'est un marché un peu particulier là. Comment ça se passe? Oui, bah, ça fait maintenant un mois bientôt qu'on travaille un peu dans l'urgence. On s'adapte aux nouvelles normes un petit peu tous les jours, toutes les semaines. À savoir que là, on n'a plus de halle, on n'a plus d'étalage, donc on est obligé de préparer les commandes chez nous. Bonjour madame, vous aviez fait une commande? Oui, la numéro 8. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire une commande? Quand on a su qu'effectivement ils pouvaient faire des livraisons, voilà, on a attendu notre prochain réapprovisionnement pour pouvoir le faire. Alors on a eu de la chance malgré tout que la mairie nous suive et nous épaule. La mairie a fait un réel travail de lien entre les commerçants et sa population. En mettant les numéros des commerçants sur le site de la mairie, ça a généré des appels et des livraisons. Alors ça, c'est votre nouvel étalage? C'est votre nouvel étal, pardon? Enfin, c'est le résultat de mon étalage que j'avais à la maison. Que, bon, j'ai regroupé toutes les commandes, j'ai fait toutes les commandes. J'ai été ce matin à 4h30 à Rungis, je rentre à peu près à 7h de Rungis. Après, il faut 2h30, 3h pour préparer les commandes. Et après, maintenant, bon, là, j'ai fait un petit stop and go pour un client. Et là, je pars en livraison. Et en livraison, il faut compter 4 livraisons par heure, quoi. Donc ça, c'est un métier, quoi. C'est un métier d'être livreur. Et on apprend, voilà. Hop, on regarde la chaîne du froid. Alors qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous m'avez demandé le petit turbo, l'arrêt et les trains de saumon fumé? Un seul? Oui. Le samedi, on servait entre guillemets 100-200 clients, j'en sers 50. On espère que tout redeviendra normal après le 11 mai, après la fin du confinement. Il ne faudrait pas que le mois de mai reste comme ça, comme le mois d'avril. Sinon, on va mourir.